événement d'aujourd'hui vise à arrêter nos priorités communes de développement et à faire, dans le cadre de la reconstitution des ressources de l'IDA, un plaidoyer auprès des principaux donateurs de l'IDA afin de mobiliser au moins 100 milliards de dollars en vue de relancer nos économies. C'est une bonne occasion pour montrer que la solidarité est effectivement essentielle, je dirais même elle est obligatoire, pour le bien de toute l'humanité et pour construire ensemble un monde plus sûr et, bien évidemment, nous souhaitons plus prospère. Je reste convaincu que les échanges avec les chefs d'État permettront de consolider les acquis et de jeter les bases d'une coopération solide, durable et viable, à même d'accélérer le développement de l'Afrique pour le bien-être de nos populations. C'est donc sur cette note d'espoir et de remerciement que je souhaiterais clore mon propos en déclarant ouverte la réunion de plaidoyer pour une 20e reconstitution ambitieuse des ressources de l'IDA. Je vous remercie, mesdames et messieurs.